Salut à toutes et à tous, alors je suis revenu, plutôt que de prendre le raccourci au niveau où on se trouve au-dessus des rats, on va essayer de prendre, reprendre l'escalier pour se retrouver sur le petit toit, et tenter le saut. Alors je pense qu'en venant ici, je devrais me faire moins mal et je suis mort. Ah mon dieu, mauvaise pioche comme on dit. Ça commence bien, encore une fois. Bon, on va... J'ai dû avoir de la chance la dernière fois, la première fois que je suis tombé. Alors, la porte qui est fermée pour le raccourci... Plus sûr du niveau où elle se trouve, évidemment. En tout cas, c'est pas celle là-bas au bout. Ah, c'est verrouillé, toujours ici. Saloperie. Peut-être ici en dessous, non. Un petit peu le ménage pendant ce temps là, c'est pas grave. Peut-être là-bas tout au bout. Ici j'ai peut-être une meilleure vue. Je crois que c'est là-bas à gauche. Ok. Donc je prends ce foutu raccourci et on essaie continuer à explorer l'endroit où il y avait l'espèce d'assemblée de geôliers et de drôles de créatures à côté. On va essayer de passer cette fois-ci. Oh, la vie est dure dans ce donjon. Ça me rappelle un petit peu le dessous du lac incandescent où j'avais pas mal galéré. Je crois qu'ici il y a moyen de faire un emote qui permet de rejoindre le serment du dragon, mais ils sont en train de le faire d'ailleurs, mais je sais pas lequel c'est. Peut-être se prosterner, ils ont l'air de se prosterner plus ou moins. Ils sont assis en... pas vraiment en tailleur, mais avec la main droite sur la main gauche. Donc je pense que cet émote là je l'ai pas encore. A priori ça me dit rien. On va essayer ça. Non. Toujours revenir. Alors... Ah, ils sont vraiment, mais tellement nombreux ceux-là, c'est... Pas possible, ils gardent un objet, mais... Pas sûr que ce soit un gros objet, ah, j'aimerais quand même bien les buter. Ok, ça marche pour ce groupe-ci. Le groupe le plus ennuyeux, vous le savez, il est là. Je vais pas y couper quand même si je veux passer correctement.
je les ai attirés, on va voir si c'est une bonne chose ou pas. Oula, oula. Je suis obligé d'attendre, hein, vous le voyez, ma vie a été réduite à peau de chagrin, il faut attendre. Ouh, c'est pas bon. Oh, ils sont tout pleins. Ouh, il me court après. On va fuir. Par ici. Ils sont pas très résistants aux flèches, ça c'est une bonne chose. Je veux dire, je pas ce qui m'empêche. Une fois qu'ils vous regardent avec leurs gros yeux jaunes, vous bouffent votre vie à distance. C'est vraiment pénible. Ils font partie des monstres qui, je trouve, les plus chiants dans le jeu pour l'instant. Je vais leur montrer que je sais me montrer chiant aussi avec mon arc, moi. Hop. Et là-bas. Et merde. Allez. Ok, on progresse, hein. Si les rats veulent bien me laisser tranquille. Là, c'est d'où je viens, parfait. Voilà l'objet en question. Une braise, super. Je vais quand même l'utiliser. Ah, c'est encore un mimique. C'est pas vrai, mais les trois quarts des monstres sont des mimiques dans ce jeu. C'est quand même assez pénible. Viens. Pour peu qu'on ait un tout petit peu de place pour esquiver, sont vraiment pas durs. Encore une écaille, il va être temps que je les utilise, mais j'attends de voir d'avoir vraiment l'arme que je veux vraiment upgrader avec ce genre de matériaux. Je vois nettement la différence quand je joue le matin ou quand je joue le soir, hein, voire la nuit. Descendre, excellent. Et... A fait peur. Du coup, qu'est-ce que j'avais? Il y avait un anneau. L'anneau. Qu'est-ce que c'était comme anneau? C'était celui-là avec la grosse émeraude ou je sais pas. Anneau couronné de brunante réduit la consommation des points de concentration des sœurs mais également les points de vie. Bof, bof.
pas hyper intéressé par ça. Et alors les cendres, on les donnera à la servante pour obtenir des nouveaux objets à acheter. Oh zut, il y en a encore un ici. Allez, de temps en temps, on peut se faire plaisir avec un peu de pyromancie, hein, pourquoi pas. Ah. Il me fait peur, lui. J'ose espérer qu'il y a vraiment un feu, peut-être bien dans cette tour en ruine. C'est les monstres qu'on trouvait dans les bois de la crucifixion. Petit recyclage de monstres, mais c'est pas plus mal, comme ça on les revoit de temps en temps aussi. Ce serait dommage qu'on les trouve que dans un seul endroit finalement. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien ici, mais je me méfie. Ça bizarre. Bon, dommage, il n'y a vraiment rien. Bon. Pas trop à quoi ça servait que j'ouvre la porte finalement. Enfin, je me plains pas, j'avance bien dans cette vidéo. Malgré le début complètement horrible, si vous vous souvenez, j'étais mort tout de suite. La concentration augmente. Goinski. Je suis à fond là. Très très beau ici. Probablement aussi très très dangereux. Tout ça m'a l'air vraiment trop trop calme. Oh là là, ce bâtiment là, ça sent le boss à plein nez. Oh, je change de zone, capitale profanée, ça y est, j'ai fini. Oh merde. Ah mais non, mais j'ai pas eu de feu. J'ai pas eu de feu. Oh. Je crois pas que c'est un boss en fait. C'est un mob tout à fait normal. Et on va essayer de pas mourir, ce sera mieux. Ça chauffe pour mon derrière. Mais ça a été. Fais pas des dégâts encore trop énormes. Surtout que n'oubliez pas que je suis en armure légère toujours, donc pas non plus une armure du feu de Dieu. On va éviter de tomber dans le trou, hein, ce serait mieux. À ce niveau-ci, je voudrais vraiment arriver au premier feu, hein. J'ai trouvé en règle générale que dans ce numéro 3, les feux étaient assez proches. Oh, je crois qu'il est là. Va falloir descendre et puis remonter.
Enfin, je crois. Pas le moment de se faire envahir non plus. Je crois avoir vu une échelle là derrière le mur. Au niveau de la façade extérieure, faudra aller voir. Oh, le feu. C'est tiré, fragment d'os de mort-vivant. Oh yes, prochain feu, cool. J'ai pas de quoi voyager, j'ai pas de quoi prendre un niveau, donc on va rester ici. Oui, j'ai le fragment d'os de mort-vivant, on va quand même aller jusqu'à l'Ichefeu. J'ai pas exploré du tout 100% des geôles, hein, du donjon. Il y avait des objets qui sont restés hors de ma portée. Il y a toujours le bas au niveau des rats que je dois faire. Faudrait que je retourne quand même. Avant de continuer peut-être. Maintenant que je suis plus à l'aise, je peux retourner simplement. On va également donner les cendres ici. Ah. Gracious, let Ioma. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter maintenant? Si rien de neuf, j'ai l'impression. Toujours les grands fragments max. Vraiment pas des masses la différence. Hein. Peut-être une armure en plus. Voilà, les pantalons et gants de Xanthome, ça, je pense que c'est neuf. J'en suis même sûr. Alors, protection physique, 10. C'est beaucoup, ça. Magie, feu, ça a l'air d'être pas mal. C'est un poids de 8, 6. Pour éventuellement perdre un peu en mobilité. Eh oui, mon armure à moi c'est 5-1. 9-3 de résistance physique quand même. Moi, je vois pas trop l'intérêt de changer. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Il y a l'armure de l'Est, je me demande bien si c'est pas nouveau aussi ça. Elle est pas mal visuellement. Oh, défense 4-1. Ah, 12, voilà. 12.11, c'est assez lourd aussi, ça, par rapport à la protection que ça offre. Ah, on est toujours dans le donjon d'Irithyll, en fait, dans la même zone, bien sûr. Allez, je repars au niveau du donjon. On va essayer quand même de nouveau se trouver au niveau des rats. Je pense qu'en tombant sur un rat et en lui appliquant un coup, en sauté, je vais me prendre moins de dégâts de chute. Je crois que c'est ce qui s'était passé la première fois qui m'avait permis de commencer à explorer cette zone-là. Donc on va essayer de le faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Peut-être mon casque, je pourrais peut-être changer. C'est toujours le casque de héros. Ouais, il protège quand même bien. Il est pas mal. Oh oh. Ah.
attention, je me suis pris des verres là. Ah, je vais me faire cramer, je vais me faire bouffer. Voilà. Donc le plan c'était de revenir au niveau des rats, donc je dois pas prendre le raccourci. Mais au contraire... le premier coup pour se faire cramer fait pas trop de dégâts, mais c'est le suivant qui te fout au sol et qui te détruit complètement. Donc voilà, je vais aller par là. Bon, retour ici. Tiens, j'avais quelques âmes ici à récupérer. Oh, 5000 quand même, bon. On va descendre par l'échelle pour être déjà un petit peu plus bas. J'espère que ça valait la peine de revenir, hein. J'espère surtout que je vais pas mourir en tombant, mais ça me paraît quand même peu probable. C'est quand même haut, hein. Comment faire, comment j'avais fait la première fois. J'étais tombé quelque part par là. Au niveau des échafaudages, mais voilà, j'étais pas mort. Ça me paraît quand même vachement haut. Là où je dois aller, c'est ici les escaliers pour l'instant. Donc je vais essayer de rouler avec le max de vie. Bon. Ça passe. Là, j'arrivais ici. Ennemi droit devant. Il n'y avait pas une échelle ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a rien. Ah voilà. On grimpe. Bon, c'est assez long pour revenir jusqu'ici, donc si je pouvais réussir ce saut, qui n'est pas si facile, hein. Il m'a pas l'air si facile. Et merde. Oh là là, je vais pas y arriver. Ça m'énerve. Je sais pas ce qu'il y a, mais si ça se trouve, il n'y a absolument rien d'intéressant là en plus.
Voilà. Ok, me voilà rééquipé. Est-ce que je vais retenter le saut? Pas. Je vais pas le tenter. Ça se trouve, c'est... Est-ce que c'est un gros ou un petit? Une grosse boule ou une petite? On dirait quand même une grosse. Hein. Je vais toujours prendre l'élévateur qui se trouve là. Et ensuite, on verra. Je vais me rouler ici puisque j'étais pas mort la dernière fois, donc autant le refaire. Il me semble que comme j'arrive sur les escaliers, je suis légèrement plus haut peut-être. En exagérant un peu, on va sprinter. Si vous savez l'objet que je loupe là sur la corniche, bah dites-le moi peut-être pour voir si ça m'intéresse de vraiment réessayer. Éventuellement s'il y a un autre truc que sauter pour y arriver, dites-le moi aussi, peut-être dans les commentaires. Ah bah d'accord. J'aurais pu ouvrir un raccourci depuis longtemps ici. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Et qui ça? Sandman. Ah ok, on va aller à l'Ichefeu prendre un niveau avec nos âmes et puis on sera donc à poil pour explorer la zone suivante, ce qui est toujours bien, ça permet de pas avoir peur de mourir et d'essayer des choses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pour moi je suis très très content de cette vidéo-ci parce que j'ai bien avancé et j'espère qu'on se retrouvera pour la prochaine. Salut tout le monde!